Bonjour, je profite du calme avant la reprise des compétitions pour vous faire une petite présentation du MYCP Luisant 2012, le centenaire de ce club, né donc en 1912 et repris en ce moment par Jean-Paul Bourdilla. Voici une première chaloupe qui trône fièrement à côté de l'énorme Cap Sizun de notre ami America. Je vais vite comme d'habitude parce que je voudrais vous montrer un petit peu tout ce que nous avons sur les tables. Les bateaux sont en ce moment au repos puisque nous sommes encore au café. Ah, je profite de ton bateau. Viens vers moi, ami. Ta magnifique chaloupe étant déjà posée. Pendant que l'on dit, oh là là, j'ai pas le temps, je vais pas avoir le temps de toucher. Viens vers moi. Oh là là. Petit moteur Proteus, c'est ça? Non, Anton. Anton. Ah bah alors si c'est un Anton, j'ai rien dit. Notre ami Fabrice est là. Une ondée. Une ondée d'oxymore. Les gens comprendront, qui voudront. Oxymore à vapeur. Un oxymore à vapeur. Je continue la promenade. Avec ces charmantes chaloupes. Rose. Hop. Je me dépêche un peu d'abord parce que je ne veux pas vous lasser et surtout parce que je veux aller naviguer aussi, tant qu'à faire. Un petit à l'heure. Le Tide. Je ne vous cache pas que les bateaux que je vous présente ont déjà été vus. Mais c'est pas, monsieur Émile. Le superbe Jacques. Je ne me lasse pas de ce bateau, d'autant qu'un ami très proche va en faire un. Oh, le régule, nickel au régule. Oui, il régule bien. Il régule bien, hein. Simple ou double membrane? Double membrane, ah oui. Alors, le France, j'espère pouvoir vous le remontrer prochainement. Mais là, vous l'avez, magnifique oscillant. Vous l'avez ouvert, ça vous montre un peu une autre facette de nos bébés. Je ne vous présente pas celui-ci. Regardez ça, cette finition. Vraiment, la seule dommage, c'est qu'on ne voit pas le moteur, la machine. Hop, j'en profite parce que même si on les voit, on voit les personnages. Oh, j'adore, je reconnais cette jeune femme. Non. C'est pas Bécassine ? Attendez que je vais mettre des gouttes dans le nez. T'as raison, soigne-la. De ce temps-là, on a crampé des rues, non ? Ah ben, il fait pas très chaud, il fait très très beau, mais en fait, il fait encore un autre à l'heure. Il fait à peine 16 degrés, donc... Allez, une petite Vaise que je ne vous présente plus maintenant, ça suffit. Et la Louise non plus. Faut quand même pas exagérer, c'est toujours les mêmes. Ah, et je reviens une dernière fois, et une fois nouvelle, sur les bateaux de Charles. Les horloges. Magnifique, regardez cette jeune fille comme elle est belle. Et ça brille au soleil. Tu fais preuve de souplesse absolument extraordinaire. Ah, c'est plus de la souplesse à ce niveau-là, mon ami. C'est vachement bien. Et le fameux moteur, oh là 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 là. Merci. Je reviendrai voir les personnages. Hop, j'en profite pour vous montrer un petit peu le cadre dans lequel nous avons la chance d'évoluer avec les circuits là-bas. Et Patrick qui nous a amené ici son superbe Goliath et une petite chaloupe qui est en train de démonter. Voilà, bah écoutez, cette petite vision de MYCP Luisant 2012 pour vous donner envie de venir participer au monde de la vapeur. Au revoir.